Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour faire la dernière boule de Noël. On va voir comment faire toute la dernière partie, donc la suite d'hier. Alors ici, j'ai mis ma dernière épingle à 4 à gauche. Et vous voyez que le modèle va partir ici à gauche et va faire le tour à droite. Sauf que il va falloir en fait oublier les 6 fuseaux de droite. Donc les 6 qui sont complètement à droite, vous les mettez de côté, on les arrêtera plus tard. Et vous repartez avec la deuxième paire, puisque c'est épingle à 4. Et vous faites un point fermé. Donc point fermé une fois, deux fois, trois fois. Vous arrivez en bout de rangée, vous faites deux torsions. Et vous mettez la première épingle ici. Ensuite vous continuez, vous retournez à gauche. Et là, vous continuez à faire l'épingle à 4. Vous repartez avec la deuxième paire à droite. Point fermé une fois, deux fois, trois fois. Vous faites vos deux torsions de bout de rangée et vous mettez l'épingle. Pour tourner à gauche, point fermé, point fermé. Point fermé, point fermé, deux torsions sur chaque paire, épingle à 4. Vous repartez avec la deuxième paire à droite, point fermé une fois, deux fois, trois fois. Vous arrivez à un bout de rangée, vous faites deux torsions et ainsi de suite. Ensuite, quand vous en serez par là, il faudra repasser plusieurs fois derrière l'épingle, ça on l'a déjà fait plusieurs fois. Et je vous reprends simplement ici pour faire la fin. Alors, je suis presque arrivée au bout et là, du coup, les trois paires qu'on avait laissées en attente, on va devoir les arrêter. Donc, ce que vous allez faire, tout simplement, c'est les prendre deux par deux et faire un voire deux nœuds sur chaque paire. Alors ensuite, une fois que vous avez fait vos petits nœuds, vous pouvez couper les fuseaux. Vous replacez bien le rognon sur les épingles ici et vous reprenez les fuseaux qui font le haut. Donc là, je me suis arrêtée à gauche, j'ai mis l'épingle à 4, je prends la deuxième paire et je pars à droite. J'arrive en bout de rangée, je fais mes deux torsions. Là, je vais mettre l'épingle. Et je vais faire une dernière rangée. Là, je ne fais pas l'épingle à 4. Je fais deux torsions sur ceux de gauche. Pas sur chaque paire, mais uniquement sur ceux de gauche. Il va falloir que je crochette. Donc là, vous avez une épingle à gauche. Vous allez l'enlever. Placez le crochet dedans. Et vous allez ramasser un des deux fils meneurs. Vous l'agrandissez, vous faites une boucle et dans cette boucle vous allez passer l'autre fil meneur plus deux autres paires. En tout il y a 5 fils qui sont passés dans la boucle. Ensuite vous finissez par un rouleté. Et il vous reste donc à droite 4 fuseaux. Donc vous allez prendre, donc passez votre crochet dans la partie grille. Vous ressortez un des fils, vous faites une boucle et dans cette boucle vous placez les trois autres fils dedans. Vous faites un rouleté pour la suite. Et ensuite, vous pouvez
tout couper. Et cette partie est terminée. Maintenant, on va voir ensemble comment crocheter ici les fuseaux et comment faire cette partie. Alors, tout en haut ici, vous pouvez enlever l'épingle. Alors déjà, vous allez préparer 8 fuseaux, 4 paires de rouge et 6 fuseaux jaunes, donc 3 paires. Donc, vous placez le crochet dans ce trou. Vous allez rattacher une première paire complètement à gauche. C'est ce qui fera le contour. Vous avez certainement remarqué qu'il y avait une épingle à 4 ici aussi. Ensuite, vous remettez le crochet au même endroit. Vous allez mettre un autre fil rouge, donc une autre paire rouge, qui va descendre dans cette partie-là. Vous voyez qu'il y a une partie rouge, donc c'est une partie qui est plus épaisse, donc il faudra mettre plusieurs fuseaux. Donc là, on va mettre un rouge et après, on va mettre un jaune qui sera coincé en fait dans cette partie rouge du dessin que l'on fera en point fermé. Et juste à côté de cette paire de jaunes, vous pouvez remettre encore une paire de rouges. Vous remettez l'épingle. Ensuite, entre cette épingle-là et l'autre d'en dessous, vous allez prendre votre crochet et le passer sous deux fils. Et là, vous allez mettre dans un premier temps la paire de meneurs. Donc moi, je l'ai faite rouge. Je la mets à gauche. Je replace dans le même trou et là, je vais rajouter deux paires de jaunes à droite. Voilà ce que ça donne au niveau des fuseaux. Les meneurs sont ici et vous allez partir à droite et vous allez travailler les jaunes. Donc vous prenez les 4, point fermé, 2 torsions sur chaque paire, point fermé, 2 torsions uniquement à droite. Vous mettez l'épingle tout en haut et vous allez à gauche. Alors, point fermé, 2 torsions sur chaque paire. Point fermé, 2 torsions sur chaque paire. Donc ça fait les fils qui sont sur les côtés. Et ensuite, la partie rouge ici, ce sera ces 3 paires-là. Donc là, en fait, on fait juste point fermé, point fermé, point fermé, sans torsion. Et là, vous allez prendre, ça c'est la paire pour faire le trait sur le côté, donc l'épingle à 4. Point fermé, cette fois-ci, vous faites 2 torsions sur chaque paire. Épingle à 4. Vous tirez tout. Vous repartez donc avec la deuxième paire, puisque c'est une épingle à 4, et vous allez à droite. Donc, point fermé, point fermé, point fermé sur ces 3-là. Là, vous faites 2 torsions. Vous prenez les jaunes, point fermé, 2 torsions sur chaque paire, point fermé, 2 torsions uniquement à gauche parce qu'on met l'épingle. On retourne à gauche, point fermé, 2 torsions sur chaque paire, point fermé, 2 torsions sur chaque paire. Les 3 ici, on les passe en point fermé sans torsion. Et ici,
point fermé, deux tensions sur chaque paire, épingle à 4. En fin de compte, on fait du point fermé, deux tensions sur chaque paire partout, sauf les rouges, jaunes, rouges qui sont ici au milieu. Voilà, je pense que vous avez compris le principe. Je vous montrerai quand même le pas à pas demain jusqu'à la fin ici. Vous aurez tout le pas à pas.